Nous sommes lundi, c'est une nouvelle semaine qui démarre pour nous. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour l'aventure. Bonjour le Faso. Mariette Kokouaga, notre réalisatrice, est de retour. On lui souhaite la bienvenue après avoir combattu certainement la maladie. On lui souhaite une santé de fer. On souhaite d'ailleurs une santé de fer à toutes ces personnes-là qui ont des bobos ou qui sont dans des hôpitaux aujourd'hui. Que Dieu vous fortifie et vous accompagne tout simplement donc pour bien sûr vous permettre de continuer sainement et paisiblement votre vie. Ça sera l'occasion pour nous aussi de souhaiter un merveilleux anniversaire à tous ceux qui ont célébré leur anniversaire hier. Et je pense bien sûr à notre réalisatrice dont le fils a célébré son anniversaire. Donc on lui souhaite joyeux anniversaire à toi, Johan. On dit joyeux anniversaire aussi à tous ceux qui ont un an de plus ce 19 février. Que Dieu vous accompagne tout au long de votre vie. Alors, cette semaine, pour la rubrique à la découverte de, nous partons à la découverte de la rue Wemba Poko. Nous revenons sur l'histoire de Wemba Poko et on va partir à la découverte bien sûr de cette rue. Pour la revue de presse, nous serons avec Elhaj Amadé Soro qui va partager l'information avec nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous faisons le point de la rencontre du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré, vous le savez, hein, ce week-end à la jeunesse et si vous voulez, ceux qui assurent la veille citoyenne. Hein, c'est comme ça qu'il a appelé justement ceux qu'il a rencontrés. On va revenir point sur point sur justement ce qu'il a dit durant son discours avec notre invité du jour. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Madame, messieurs, ça promet, donc vous n'avez pas de raison de zapper. Restez avec nous tout simplement. Nous partons pour la première rubrique, c'est à la découverte. Nous restons à Ouagadougou cette semaine pour la rubrique qui vous amène à la découverte du Burkina Faso et nous partons précisément à Ouemtenga, c'est un quartier de Ouagadougou, pour vous faire découvrir la rue qui porte désormais le nom de Wemba Poko. Quoi de plus normal que de commencer à vous raconter l'histoire de Wemba Poko avant de vous parler bien sûr de la rue. Rappelons que Wemba Poko est la benjamine des enfants du Mogo Naba Oubri qui est le fondateur du royaume de Ouagadougou en son temps bien sûr. La rue Wemba Poko est longue d'environ 1,5 km. Cette rue est située dans le quartier Ouemtenga à Ouagadougou et a été inaugurée le 30 juin 2018. C'est désormais une voie bitumée, c'est bien de le préciser. C'est une rue qui rend hommage à la femme en général, puisque c'est une rue qui porte le nom d'une princesse de la cour royale du Mogo Naba. Il s'agit de Wemba Poko. L'histoire nous apprend que Wemba Poko a été la benjamine des enfants du Mogo Naba Oubri, le troisième empereur des Mossi, qui est le fondateur de Ouagadougou. Wemba Poko a été intronisé ministre en charge de la médiation dans le Mogo et était chargé de concilier et de réconcilier les habitants du Mogo à un moment donné de l'histoire du règne de son père. Mais pourquoi a-t-elle été nommée ministre? Alors, notons qu'au vieux jour du Mogo Naba Oubri, père de Wemba Poko, il a senti une tension et des discordes au sein de son royaume. Avec ces conflits qui existaient entre individus et même entre communautés, il fallait trouver une solution. Dans le souci de léguer un royaume en paix à son successeur, le Mogo Naba Oubri et ses sages ont décidé de trouver une personne qui va s'occuper de la médiation au sein de la cour royale. Après réflexion, le comité a décidé que ce soit l'enfant, le dernier enfant du chef qui sera désigné comme médiateur. Malgré le fait que la benjamine des enfants qui était Poko soit mariée, le roi et ses notables ont trouvé un arrangement, du moins ils ont décidé de la nommer ministre de la réconciliation. Et une formule a été trouvée pour garder intact les liens entre les familles alliées, c'est-à-dire la famille du mari de Poko en son temps. C'est alors que Poko a rejoint la cour royale de son père et Wemba a été ajouté donc à son nom et elle est devenue Wemba Poko. Le rôle de Wemba Poko était de faire régner l'entente dans le royaume Mossi et de réconcilier ceux qui se disputaient. La légende raconte que quand elle demandait pardon à une personne, la personne ne devrait pas refuser de pardonner. Et si une personne refusait son pardon, cela était considéré comme un sacrilège et le Mogo Naba
pouvait sanctionner la personne. Wema Poko a régné ainsi dans le royaume de son père et après elle, son poste revenait toujours au Benjamin ou à la Benjamine du Moro Naba. De nos jours, son trône est occupé par le Wemba Ligdi qui règne dans son palais dans le quartier Wemtenga, bien sûr, de Ouagadougou. Wemba Poko a marqué le royaume de Ouagadougou de par son règne. C'est au regard de sa combativité que son nom Wemba Poko a été donné à cette rue du quartier Wemtenga de Ouagadougou. Le Wemba Ligdi, maintenant un homme qui est un des successeurs donc, de Wemba Poko, est l'actuel médiateur du Moro Naba Banco. Cette semaine, nous vous faisons découvrir la princesse Wemba Poko et bien sûr la rue qui porte le nom de Wemba Poko. Et cette rue, il faut le rappeler, est située dans le quartier Wemtenga de Ouagadougou. Et tout au long de cette semaine, nous allons partir à la découverte, bien sûr, de cette rue Wemba Poko à travers la rubrique à découverte 2. C'est sûr que vous empruntez cette voie-là, vu que vous êtes nombreux, bien sûr, à aller à Wemtenga. Lorsqu'on veut monter sur Charles de Gaulle, souvent on passe par Wemtenga. Donc maintenant, il faut l'appeler la rue, l'avenue Charles de Gaulle, c'est l'avenue Thomas Sankara maintenant. Donc, on passe souvent par la rue Wemba Poko pour rejoindre donc l'avenue Thomas Sankara. On connaît bien sûr cette rue-là. Donc, on vous invite tout simplement à marquer une pensée envers donc Wemba Poko lorsque vous traversez donc la rue Wemba Poko. Merci à vous de votre attention concernant cette rubrique à la découverte de qui vous amène toujours à la découverte donc du Burkina Faso. Et merci beaucoup donc à tous les habitants de Wemtenga et merci à l'association Wemdogo. À partir de demain, vous allez justement entendre le président de cette association nous raconter l'histoire encore donc de Wemba Poko. Merci. Pour la suite, nous marquons une petite pause, le temps d'installer confortablement El Hadj Amadé Soro pour la revue de presse. Et bien sûr, nous continuons à vous faire découvrir le Burkina Faso à travers cet élément. Vous avez pu découvrir plusieurs communautés. Et puis, bien sûr, les communautés lors des défilés pour les fêtes de l'indépendance. Vivement que la paix revienne au Burkina pour qu'on puisse encore avoir ces genres d'images-là de défilés du 11 décembre. Pour la suite de cette émission, nous allons fêter les journaux ensemble. C'est à travers, bien sûr, la revue de presse. Nous sommes avec El Hadj Amadé Soro aujourd'hui. Bonjour El Hadj. Bonjour Arjeta, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes tout à vous pour la lecture. Alors, très bien, donc nous commençons cette revue de presse avec le tout nouveau quotidien du Burkina, à savoir la cohésion. À la une donc de la cohésion, visibilité du football burkinabé, Roberto Carlos, désormais ambassadeur filière coton, échange entre le chef de l'État et l'UNPCB. Contrat d'objectif de membres, des membres du gouvernement. Suite des évaluations Alliance des États du Sahel, les ministres valident l'architecture juridico-institutionnelle à Ouaga. Réunion des ministres en charge de l'énergie de l'AES, du Tchad et du Togo, la fourniture du gasoil, des gasoils au cœur des échanges. Meeting de soutien à la transition
dans les jours, mois à venir, ce que vous allez voir arriver au Burkina doit faire de notre armée une puissance à craindre, capitaine Ibrahim Traoré. Union africaine, Mohamed Ould Cheikh Gazouani, président Wumbore, direction générale de la SNCCO, on ne comprend plus rien. Circulation à Ouagadougou, les véhicules à vitres teintées sont de retour. Ablaye Drago est au front. Et nous poursuivons avec les quotidiens, à la une du quotidien. Enlèvement d'un vigile à Ouaga, l'infortuné raconte son calvaire. Le capitaine Ibrahim Traoré face au Waïa, quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme sera traité comme tel. Réquisition pour les fronts, Ablaye Drago et Daouda Diallo ont trouvé qu'il fallait faire le front pour comprendre beaucoup de choses. Le voyageur de Guéna, Union africaine, la Mauritanie prend la présidence. Région du Nord, il poignarde une infirmière en pleine garde. Besoin énergétique, le Niger, sous sanction, va fournir du gasoil au Tchad, au Mali, au Burkina et au Togo. Gampela Ouaga, une commerçante, se fait voler par une fillette qu'elle a hébergée. Nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Le Pays, à la une du pays. Cour des comptes, le rapport public 2022 est remis au chef de l'État. Filière coton, les producteurs sollicitent l'accompagnement du chef de l'État. Meeting de soutien au chef de l'État, reconnaissant au président de la transition, les manifestants expriment leur doléance. La réaction du chef de l'État sur le retrait des forces étrangères. Arrondissement 9 de Ouaga, des résidents se retrouvent à la gendarmerie suite à un litige foncier. Confidence du week-end. Souris dans la commune de Dédougou, une fille soupçonnée d'avoir égorgé sa tante aux arrêts. Actif Foot Cannes 2023, Ofouri, l'autre bienfaiteur de la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, nous fêtons donc l'observateur qui est le doyen des quotidiens au Burkina Faso. À la une de l'Obs, retrait de l'AIS de la CEDEAO, fort en mission de déminage à Abidjan. Rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré, le palais des sports rond-point d'une journée pour les Waïens. Situation nationale, Ablaye Daouda Dissisque était donc aux côtés des VDP. 7e édition, Salon international de l'agriculture et de l'élevage, traque aux effets pervers de l'insécurité dans le monde rural. Côte d'Ivoire, des Burkinabés reconduits à la frontière. Et nous terminons, ou du moins nous terminons pour les quotidiens privés, avec aujourd'hui au Faso, à la une d'aujourd'hui au Faso, épidémie de rougeole au Burkina, 1269 cas suspects, dont 4 décès en 2024. Coup d'état militaire et institutionnel au 37e sommet de l'OIA, tableau clinique impeccable, la prophylaxie les moins. Le chef de l'État face au Waïa, adoubement et serment réitéré des Ibe Boys au capitaine président. Burkina Faso, pour la première fois, Blaise Drago apparaît dans une vidéo en treillis. FBF, installation de la commission électorale. Wodilasso, des dromadaires et des boucs immolés pour la paix au Burkina. Présidentiel au Sénégal, Macky Sall sera-t-il finalement candidat? S'interroge le journal. Fort Yassimbe chez Ouattara, la conjoncture sous-régionale au cœur de l'apartheid. Et nous terminons avec le quotidien d'État Sidoya. À la une donc des Sidoya, Alliance des États du Sahel, un sommet des chefs d'État en vue, évaluation de l'action gouvernementale, des ministres en grange, de bons points. Éditorial, un pas vers la Confédération. Conduite de la transition, la veille citoyenne réaffirme son soutien aux autorités. Sécurisation de la province de Sourou. Sourou, donc, l'administration de retour dans une commune après 2 ans d'absence. Épidémie de rougeole, 1270 cas suspectés, 4 décès. Cour des comptes, le rapport public 2022 remis au chef de l'État. Merci bien, Elage, pour cette lecture. On revient sur quelques sujets d'actualité et puis bien sûr, ce qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est la rencontre du président du Faso
avec bien sûr les Wayi, hein, comme le disaient certains journaux tout à l'heure. Donc ouais, les Wayi, hein, que le président a rencontré hier, je veux parler de la veille citoyenne, ceux qui assurent la veille citoyenne. Qu'est-ce qui a motivé déjà cette rencontre pour vous? Bon, c'est vrai que cette rencontre avait été annoncée depuis un certain temps. Et on ne savait pas réellement quels sont les véritables organisateurs, même si nous savons très bien que c'est la veille citoyenne qui est au devant, puisque lorsque vous regardez au niveau du palais, l'omnisport, vous ne voyez pas beaucoup d'autres slogans. Souvent, quand il y a un meeting comme ça, on voit plusieurs slogans, plusieurs associations, etc. Mais ça, il semble que le message, c'est un message d'union que les organisateurs veulent lancer pour effectivement répondre aux besoins et aux défis du moment. Vous savez très bien qu'actuellement, nous sommes dans une période très critique. Et cette période commande qu'il y ait, en plus des actions militaires sur le terrain, qu'il y ait également de la communication. Parce que comme l'a dit quelqu'un, je pense que ça doit être Gandhi, qui est l'ancien homme d'État indien, qui dit, lorsque vous voulez combattre quelqu'un, il ne faut pas le combattre avec l'arme que toi tu redoutes, mais l'arme que lui, il redoute. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, il y a effectivement des gens qui ne s'inscrivent pas dans cette nouvelle dynamique de reconquête du territoire national. Et ces personnes, le plus souvent, usent des moyens de communication, surtout Facebook et puis autres outils, pour effectivement semer le découragement, manipuler en fait les masses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi communiquer. Communiquer pour préserver, n'est-ce pas, les territoires burkinabés, pour encourager les forces combattantes, les FDS et les VDP, et pour effectivement démentir certaines fausses informations. Vous savez très bien que lorsqu'il y a un conflit, il y a toute une panoplie d'informations, de fake news, et qui sont distillées souvent pour décourager l'autre partie. Comme l'a dit quelqu'un, dans une guerre, la première victime, c'est la vérité. Parce que chacun veut effectivement montrer les faiblesses de l'autre, quitte même à fabriquer des informations. Donc, ici, le véritable motif pour moi, c'est de recadrer la communication. C'est de dire que, pour le président Ibrahim Traoré, je dis qu'il est toujours attaché au serment initial, qui est donc de travailler à la reconquête du territoire national, à la réinstallation des PDI, et à la sécurisation, effectivement, du territoire. Cela ne peut pas se passer, ne peut pas se faire sans l'accompagnement des masses, sans l'accompagnement. C'est la raison pour laquelle, dans son discours, effectivement, nous allons y revenir, il est revenu sur le rôle combien important que jouent, effectivement, les Wayiens. Je ne sais pas si ce mot-là, il faut... C'est un néologisme, mais un mot amoré qui veut dire « venez, sortez, massima ». Et ce n'est pas avec le temps, est-ce que l'Académie française va... consacrer l'entrée de ce mot-là dans les dictionnaires, je n'en sais rien. C'est que c'est un mot actuellement qui est à la mode et qui permet effectivement à une certaine catégorie de la population de se retrouver, et parce que le plus souvent, on dit que voilà, il y a des velléités de déstabilisation, et lorsque le slogan est lancé, il y a effectivement une réponse immédiate par rapport à ce slogan-là. Donc c'est effectivement une rencontre, comme je l'ai dit, qui est centré sur la situation nationale, mais pas que. Il y a également la situation sous-régionale, avec notamment le retrait des trois pays de l'AES, de la CDAO, mais aussi les différentes menaces. Les différentes menaces, c'est également une rencontre au cours de laquelle on a pu avoir l'historique des difficultés que le Burkina Faso, le Mali, le Niger ont eu vivre depuis que le terrorisme a commencé cet espace-là. C'est centré effectivement sur les difficultés, les péripéties, les différents problèmes que ces trois régimes, que ces trois pouvoirs ont eu, et le manque de solidarité de la CDAO. Parce qu'à plusieurs reprises, c'est revenu que quand on dit CDAO, c'est certains pays, parce qu'il y a des pays comme par exemple le Cap-Vert,
comme le Libéria, comme la Sierra Leone, et qui ont, comme le Togo même, qui ont pratiquement brillé par leur silence, qui n'ont pas, qui ne sont pas inscrits dans cette dynamique de, d'en découdre avec les régimes militaires. Donc, c'est également une rencontre au cours de laquelle on n'a pas manqué de signaler, ou du moins de, hein, d'avoir une main un peu, de l'élever, hein, et, n'est-ce pas, les actions nocives que posent ce qu'il a appelé les valets locaux. Parce que, très bien, le fait de mettre, d'avoir mis fin à la présence des forces étrangères dans ce pays n'a pas été du tout facile pour certains. Il a même dit qu'il y avait des conseillers militaires qui avaient écrit des notes pour dire, voilà, si vous mettez dehors ces forces étrangères, là, vous n'allez pas pouvoir tenir 2 mois, etc. Mais il a insisté sur le courage et sur la nécessité, l'obligation pour le peuple burkinabé de prendre son destin en main. Vous ne pouvez pas continuer à vivre sous tutelle. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a également... Oui, il est revenu quand même sur plusieurs axes. Hein. Donc l'AUS, la situation sécuritaire, et puis bien sûr notre sortie de la CEDEAO. Tout à fait. Et les menaces qui s'en sont suivies parce que vous avez certainement vu qu'après le coup d'état du 26 juillet au Niger, il y a eu la force en attente de la CEDEAO qui devait aller en découdre avec Tchani et les autres militaires au Niger. Et que finalement, il y a eu également d'autres mesures qui ont été prises, des sanctions. Des sanctions qui ne sont nullement consignées dans les textes de la CEDEAO. Donc tout ça, comme l'a dit quelqu'un, c'est la CEDEAO qui a donné même le fouet avec lequel on l'a fouetté. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans une organisation dont l'objectif ultime est de travailler pour l'intégration économique et sociale, et vous permettez la prise de certaines décisions qui sont contraires effectivement à toute idée d'intégration, à toute idée donc de travail pour le bonheur donc des populations. Et il n'a pas manqué effectivement de peindre la situation que nous avons avec ce que j'ai appelé l'impérialisme. Parce que l'impérialisme, c'est quoi? C'est l'envie, c'est la volonté d'un peuple d'étendre sa domination sur un autre peuple. Voilà, sans demander leur avis, sans demander leur accord. Nous, on était là, tranquillement, assis chez nous. Puis des gens viennent dire, non, désormais, vous devrez évoluer comme ça, vous devrez prendre telle direction. Prennent en possession votre économie, votre gouvernance, votre manière de voir, votre diplomatie, etc. Et tout cela... ça ne peut pas être résolu du jour au lendemain. Il faut l'accompagnement de tous. Il y a surtout également les intimidations. Vous savez, quand il a parlé d'esclaves, de maisons, de salons plutôt, esclaves, donc des champs, etc. Ça, c'est effectivement en référence à ce que Malcolm X avait dit, parce que les esclaves de salons pensent que eux, comme ils sont tous à côté du maître, et ils ont plus de privilèges que les autres esclaves qui sont au champ. À tel point que le plus souvent, quand les esclaves du champ là, veulent se révéler, veulent se révolter, ils trouvent sur leur chemin les esclaves du salon qui vont dire non, voilà, il faut temporiser, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui ne veulent pas s'inscrire dans cette nouvelle dynamique, dans cette rupture-là. Parce que, il a dit, ça va être dur. Mais c'est quand c'est dur que les durs avancent. Et le Burkina Faso est un peuple dur, comme il a dit. Alors, donc, c'est pour moi une rencontre qui devait se tenir. Lui, il a dit, pour commencer, voilà, on dit que voilà, le président Ibe parle beaucoup. Mais si vous êtes dans une posture, dans une dynamique de rupture, il faut chaque fois communiquer pour expliquer. Forcément. Hein. Absolument, pour indiquer la voie vers laquelle on veut aller. On peut rassurer. Sinon, si vous laissez comme ça, et comme je l'ai dit au début de mon propos, que nous sommes dans un monde où il y a un foisonnement d'informations, surtout de fake news. Il y a des laboratoires qui sont là uniquement pour fabriquer des fausses informations, pour décourager. La guerre de l'information. La guerre de l'information, pour décourager, pour démobiliser, pour dévaloriser. Donc c'est à vous maintenant de ne pas effectivement accepter cela et de produire les discours contraires, de montrer ce de quoi vous êtes capable et effectivement donc de travailler à mobiliser, à sensibiliser, à encourager non seulement les forces combattantes qui sont sur le terrain, mais également l'ensemble de la population. Parce que vous ne pouvez pas
vous asseoir, dire que voilà, il y a un autre qui va venir faire la guerre à votre place. Il est revenu sur le fait que le message qui a été lancé depuis le 30 septembre a été compris. Et effectivement, il continue de jouer de cette popularité, donc de cet accompagnement du peuple burkinabé. Et ça, c'est vraiment à inscrire à l'actif, non seulement du capitaine Ibrahim Traoré, mais aussi de l'ensemble de son équipe, parce que ce n'est pas une seule personne qui fait ce travail. Donc aujourd'hui, si nous avons des résultats engagés sur le terrain, c'est également grâce à l'action des forces combattantes, mais aussi à l'accompagnement du peuple burkinabé à travers les différentes contributions. Bien sûr. Bon. En tout cas, on a vu que c'est une jeunesse qui sort de cette rencontre plutôt satisfaite. Salle était comblée à certains qui sont restés dehors. J'ai vu effectivement qu'ils ont dû mettre des vidéoprojecteurs. Pour permettre à ceux qui n'ont pas eu accès à la salle de pouvoir suivre la rencontre. Merci bien, Elhaj. Merci, Abzeta. Restez avec nous, nous allons parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Et juste après, on sera avec un jeune qui était dans la salle quand le président parlait à la veille citoyenne. On en parle tout à l'heure. Aujourd'hui avec Monsieur Mahamadi Zoungrana, président du collectif des leaders panafricains. Bonjour Monsieur Zoungrana. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Après la rencontre d'hier avec le président, est-ce que vous avez été au rond-point pour veiller? Vous avez pu aller veiller hier nuit? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous accordez. Mmh. Également, bonjour aux téléspectateurs de Savane TV. Après la rencontre avec le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, hier nuit, vraiment, on n'a pas dérogé à notre règle. On a été au rond-point hier nuit et puis on a veillé comme d'habitude. Ok. Je rappelle que vous veillez au niveau du rond-point des Nations Unies. Voilà, les baptisés rond-point capitaine Ibrahim Traoré. Par eux-mêmes, voilà. Il faut le rappeler. Et puis, donc ça veut dire que vous êtes rentré. Vous êtes rentré autour de 2h, 3h du matin. Et puis voilà, vous êtes là sur ce plateau. On va vous inviter à parler encore un peu plus fort, à pousser encore la voix. Il n'y a pas de problème. Pour qu'on vous entende mieux. Monsieur Zoungrana, c'était quand même pour parler de la mobilisation au niveau du Palais des Sports hier, c'était une forte mobilisation de la veille citoyenne parce qu'on ne dira pas jeunesse, ce n'était pas que des jeunes. C'était une grande mobilisation quand même. C'est l'occasion pour nous aussi de remercier vraiment tous ceux qui sont nés toujours au niveau des ronds-points, des carrefours, qui font la veille citoyenne. Également, ça a été une opportunité pour ces personnes d'être un face-à-face avec le premier leader du Burkina Faso actuel, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, d'échanger à bâton rompu et encourager et reconnaître vraiment les efforts que ces personnes font jour et nuit et les remercier pour cet envouement, ce courage auquel ils font chaque jour que Dieu fait et pour venir vraiment faire un face-à-face. C'est vraiment les remercier pour leur engagement. Et quand on préparait cette émission, vous avez dit que c'était un face-à-face historique. Pourquoi vous qualifiez ça d'historique? Historique, pourquoi? Parce que la veille citoyenne a été initiée et depuis le 8 février 2023 par le collectif des leaders panafricains au rond-point des Nations Unies, aux yeux rebaptisé rond-point capitaine Ibrahim Traoré. Historique, pourquoi? Parce que c'est la première fois que des jeunes ont eu cette initiative face aux défis actuels que nous avons, c'est-à-dire lutter contre le terrorisme qui a été imposé par l'impérialisme juste pour freiner le développement des pays africains. Historique, pourquoi? Parce qu'au début, ça n'a pas été facile. Il y a eu des incompréhensions, des tractations. Mais vers la fin, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des multitudes de points de veille citoyenne qui ont été mis en place. Historique, parce que c'est la première fois que cette initiative a été saluée et vue comme vraiment une aubaine ou une opportunité et d'échanger vraiment avec le premier responsable du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Avant de venir sur les grands points qui ont été abordés par le président du Faso, on se rappelle qu'il avait interdit tout ce qui était banderole, pancarte à son effigie. Donc, bon, moi, en tout cas, ayant regardé le discours à la télé, j'ai constaté que cela a été respecté. Je ne sais pas, c'est interdit. Est-ce que vous qui étiez sur le terrain, il y a eu quand même des gens qui ont osé ou pas du tout?
Il n'y a pas de banderole de mouvement en quelque sorte. Il n'y a pas de banderole de mouvement, telle association. Non, la veille citoyenne, c'est une initiative de la population. Et le seul banderole qui était là-bas, c'est la coordination nationale de la veille citoyenne patriotique. Oui. Voilà. Et puis, bien sûr, on a vu les posters du président et puis les drapeaux. Voilà. Les drapeaux, plus l'effigie des différents. Peut-être certains ronds-points qui ont manifesté par des banderoles en disant rond-point Capitaine Ibrahim Traoré, rond-point de la Padoie. C'est juste ces gens de banderoles qui ont été retrouvés. Sinon, une banderole à l'effigie d'un mouvement, une association, non, ça n'a pas été, et ça a été respecté. Parlons maintenant de ce que le président vous a dit en face. Il a parlé de l'indépendance du Burkina Faso et pour lui, et je le cite, nous pouvons avoir cette indépendance tant sur le plan alimentaire que sur le plan industriel. Est-ce que vous vous sentez rassuré quand il dit qu'aujourd'hui que le Burkina peut s'en sortir seul? Bon, pas forcément seul avec les amis, mais abandonner en fait ses anciens amis pour se tourner vers d'autres partenaires notamment. Et même s'en sortir seul, hein, parce qu'il a parlé de construction, et des paysans, que nos braves paysans sont capables de nous nourrir. Est-ce que vous y croyez? Et avant que je ne réponde à cette question, et lors de son discours, il a fait un bref historique de ce que nos États ont pu subir grâce à l'impérialisme. Et qu'est-ce que l'impérialisme a eu comme impact depuis l'octroi de notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, et quel plan il projetait pour nos États pour freiner vraiment leur développement. Et on a rappelé ce qu'on appelle le PAST, le programme d'ajustement structurel, qui a été mis en place juste après les indépendances dans nos États, et ce que ça a mis comme conséquence, surtout dans les domaines économiques, sociaux et surtout militaires, pour préparer ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme qui gangrène nos États à l'heure actuelle. Un bref historique, et que nous a éclairé. Il nous a rassurés par des actions qui ont été entreprises aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme. Et quand vous comparez nos armées de l'époque de 90 jusqu'en 2010 et actuellement ce que le terrorisme nous a fait comme tort au niveau de notre armée, c'est pour dire que l'impérialisme, pour vraiment freiner les États, prend tout son temps et même projette même à des années-lumière juste pour freiner nos États. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers, nous sommes rassurés quand le capitaine Ibrahim Traoré dit que nous pouvons acquérir notre indépendance par nos propres moyens parce que le Burkina Faso dispose des opportunités nécessaires en termes d'agriculture, d'élevage industriel parce que nous sommes capables et nous avons les moyens. Donc je crois à ce qu'il se dit. On sait que le président aussi n'a pas mâché ses mots. Hein. Dans son discours en général, il a parlé d'esclaves du salon, de valets locaux, de ceux qui obéissent à leur maître. Quand ils partent chez leur maître pour prendre en fait, les instructions à suivre, quand ils reviennent, c'est revenu à plusieurs fois quand il a parlé de maître voilà, et d'esclaves. Oui. Alors, vous qui étiez au niveau de la salle, on ne va pas dire à qui est-ce qu'il faisait allusion, mais vous, quand il parlait en fait de tout ça, il sortait ces expressions-là, qu'est-ce que ça vous faisait? En fait, ça nous rappelait un peu l'esclavage et ceux qui se débattaient pour se débarrasser de cet esclavage. Quand on parle d'esclaves de salon et de champ, vous voyez, au moment de l'esclavage, il y avait deux types d'esclavage. Il y a ceux qui servaient au niveau des champs pour les travaux champêtres, et à ceux qui restaient dans les salons juste pour s'occuper peut-être du ménage, des maîtres, comme on le disait. Et quand vous voyez que pour se débattre de cet esclavage, les révoltes passaient souvent au niveau des champs. Parce que vu ta capacité à produire pour quelqu'un, tu te disais que si tu partais produire pour toi-même, est-ce que ça n'allait pas être meilleur? Par contre, celui qui est au salon ou celui qui est à la maison qui fait les ménages, le fait d'être en contact direct avec le patron, son maître, il se dit déjà qu'il a réussi. Donc, pour mener cette révolte, il était plus facile de mener la révolte avec ceux qui produisent les champs que ceux vraiment qui étaient au niveau des maisons, des salons, qui étaient plus en contact. Pour eux, ils ont réussi. Ils ne voient pas le plus-value d'aller vraiment encore crever ses ménages pour arriver à son autosuffisance. Par contre, celui qui est au niveau des champs dit que sa capacité lui-même à produire ça,
pour quelqu'un, si c'était pour lui, ça allait être plus encore davantage. C'est ça qui fait la différence. Mm-hmm. Et quand pour se départir de son maître, il est plus facile de travailler avec ceux au niveau de l'esclave du champ que ceux au niveau de l'esclave du salon. Parce que tout simplement, lui, c'est difficile de le faire sortir dans la tête qu'il peut encore aller mieux. Mais le président, quand il parle bien sûr d'esclaves de salon, de valets locaux et tout, pense aussi que ce soit à des chefs d'État ou à des autorités forcément, ou à des... qui se continuent en tout cas de peut-être aller toujours vers, vers l'ancien colonisateur pour notamment, je ne sais pas, se ressourcer ou encore prendre des conseils, si vous voulez. Voilà. Et quand on faisait allusion, en fait, c'est ces esclaves au niveau du salon aujourd'hui qui ont grandi. Qui empêchent les esclaves d'évoluer. Voilà. Aujourd'hui qui ont grandi et aujourd'hui qui ont mis cette main sur nos États. Et c'est eux, vous allez voir, qui sont souvent à la tête de nos États, qui disent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir sans l'aide du colon. Il a même pris un exemple en disant, quand nous sommes révoltés, le 30 septembre 2022, il y a des gens qui sont venus nous dire qu'on ne peut pas s'en sortir sans l'aide de tel pays, sans l'aide d'un tel, sans l'aide de l'impérialisme. Qu'on ne pourra pas tenir deux mois. Et nous tous, on a entendu ces mots. On va, le président, capitaine de Vettel, il ne fera pas deux mois, il ne fera pas trois mois. Aujourd'hui, on a une année et quelques. Donc, c'est pour dire que c'est cet esprit de croire qu'on ne peut pas y aller sans ces gens-là qui fait aujourd'hui qu'il y a une certaine barrière de certains qu'on appelle des intellectuels. Pourtant, aujourd'hui, nous savons pertinemment que ce que nous regorgeons comme opportunité et comme compétence, le Burkina Faso a vraiment les compétences nécessaires en tout temps, en tout lieu, pour vraiment faire face à ces défis. Alors, le président a dit, oui, quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme sera traité comme tel. Nous n'avons plus de sentiments pour les traîtres. Les mots sont forts quand même. C'est fort et c'est, je dirais que... Parce que quand on fait un lien avec l'actualité, avec soit des interpellations, soit, je ne sais pas, des arrestations ou convocations, soit... Bon, ou encore aussi des tentatives de déstabilisation annoncées ça et là. Ce sont des mots qui sont forts. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre par... Et se comprendre, c'est déjà un peu aller en arrière parce que dès le début de la prise du pouvoir, on a essayé de sensibiliser et on a même tendu la main. Même au terrorisme, le président a dit « ceux qui veulent déposer les armes, il y a un processus pour déposer les armes et revenir à la raison. On déteste personne. On déteste juste l'ennemi du Burkina Faso. Et l'ennemi du Burkina Faso, c'est qui? C'est ceux aujourd'hui qui empêchent les populations de vaquer quotidiennement à leurs tâches. C'est ceux aujourd'hui qui empêchent le Burkina Faso d'arriver à son développement meilleur. Aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre qu'il y a des gens encore qui sont là juste pour freiner ce thé-là. Pour quelle cause? Au profit de qui? Donc, ces paroles viennent conforter davantage ce pour quoi nous nous battons. Il est normal qu'on puisse, à un moment donné, briser cette barrière et faire comprendre que le silence ou bien le fait de sensibiliser n'est pas en fait de la peur ou bien de la faiblesse. Non, c'est juste amener à comprendre le bien fondé de ce pour quoi nous voulons construire dans la cohésion et dans la solidarité. Et si, aux côtés de ça, certains persistent et incitent à vouloir penser que et sans eux, on ne peut pas y aller, il est normal qu'on les écarte et puis qu'on y va. Ce que certains déplorent aujourd'hui, c'est le fait aussi que souvent, on annonce soit des tentatives de déstabilisation et autres. Et après, dans la foulée, on voit qu'il y a des arrestations, mais après, on ne nous dit pas qui a arrêté, pourquoi et tout. Ça crée une confusion et certains même réclament soit libération d'un tel ou d'un tel. Mais si ça, comme le président tient à parler, toujours à expliquer, si peut-être c'était clairement dit pour que les gens sachent. Voilà, c'est sûr que lui, ayant le service de renseignement donc à son actif et tout, il sait pourquoi il interpelle un tel ou un tel. Mais après, quand le public n'a pas l'information, on pourrait croire que, voilà, c'est...
le droit, où les droits de la personne ou des personnes arrêtées ne sont pas respectés. Est-ce que ça aussi, c'est pas un peu la tache noire qui tourne autour du pouvoir actuel? Bon, vous savez, on ne peut pas interpeller une personne comme ça. On ne peut pas t'asseoir dans son salon, on vient, on interpelle un tel, non. Je pense qu'il y a toujours des faits. On ne communique pas souvent, pas parce que c'est tendance à faire croire l'autorité actuelle ne respecte pas les droits ou ne respecte pas les textes. Non, loin de là. Je pense qu'il y a toujours un processus qu'on a pris. Et à un moment donné, si quelqu'un est interpellé pour des faits et ça et là, c'est qu'il y a eu quelque chose et on a été interpellé. C'est vrai, souvent, on voit que certaines personnes se lèvent et puis, bon, ils brandissent, comment dire, le droit de l'homme ou bien le droit de la liberté. Mais ce que vraiment, ce qu'on on va faire comprendre aux gens ou vraiment demander, c'est qu'il faut vraiment avoir l'humilité de ce qu'on va faire et qu'aujourd'hui, regardons ensemble ce qui se passe et luttons d'avoir premièrement ce qui est le droit à la vie de tout un chacun. Je pense que chacun là où il est doit avoir conscience qu'actuellement, nous sommes dans une période de lutte pour la libération totale de notre pays. Et il est normal que tout un chacun y met sa part et il n'est pas vraiment, il est inconcevable que certains sont en train vraiment de dérouter ou bien de manipuler certaines personnes. Donc, souvent, ces personnes sont interpellées pour des faits concrets. Et à un moment, vous voyez qu'il y a un communiqué à chaque fois, même si ça prend une semaine, deux semaines, il y a un communiqué qui vient dire, voici cela, voici ce qui a été fait et voici la procédure qui suit. Et je pense que jusqu'à l'heure, là, la justice est en train de faire ce travail et ça marche. On ne peut parler de ces échanges entre le président et la veille citoyenne sans parler, sans revenir sur le fait que, bien sûr, les trois pays de l'AES ont quitté la CEDEAO. Et avec, bien sûr, des conséquences, il faut le signaler, qui commencent à se faire sentir. Peut-être, le président est revenu, et bien sûr, sur cet aspect-là aussi. Et il a encore dit que la CEDEAO n'a jamais produit un communiqué pour féliciter nos braves armées, que ce soit des trois pays qui se battent contre le terrorisme, ou encore moins, bien sûr, apporter l'appui technique et militaire. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça me réconforte encore dans mes choix, dans mes réponses. Et parce que quand tu fais une analyse de ce que la CEDEAO a été mise en place par ceux qu'ils appellent les putschistes en 1975, parce que c'était des chefs d'État qui sont issus des coups d'État qui ont mis en place la CEDEAO. Et aujourd'hui, ce que la CEDEAO a joué comme rôle dans nos États face à cette crise qui a débuté au niveau de nos trois pays, et vous restez sceptique et incompréhensible face à cette CEDEAO. Parce que récemment, il y avait, avant que le Mali ne chasse les forces étrangères, il y avait toutes ces forces étrangères, mais Kidal n'a pas été récupéré. Et le Mali a chassé ses forces étrangères et a récupéré Kidal. Est-ce qu'il y a eu un communiqué de la CEDEAO qui est venu réconforter ce pays frère? Pas du tout. Le Niger, qui est en train de prendre son indépendance, au lieu de le soutenir, la CEDEAO crée une force pour aller taper le Niger ou bloque même des produits de première nécessité et des médicaments pour avoir accès à ces populations. Donc aujourd'hui, la question reste posée, c'est de quelle CEDEAO on parle. Donc c'est pour dire que ces actions menées et ces actions non menées en faveur de ces populations des trois pays nous réconfortent davantage que sortir de la CEDEAO est plus une aubaine ou une opportunité pour nous que de rester dedans et avoir des conséquences multiples. Bon. Entièrement pour la sortie. D'ailleurs, c'est acté. Hein. Ouais. Les trois pays ont dit qu'il n'y a pas. Ce n'est pas un chemin de non-retour. Non, c'est pas un chemin de non-retour. Il n'y a pas de. On ne recule pas, on avance. Voilà. On ne recule pas. Toujours sur le discours donc, du président. Alors, il a dit aussi qu'il faut refonder l'État, de telle sorte que même si le diable vienne à prendre le pays après eux, que justement, ils ne puissent rien changer. Refonder le pays, refonder l'État, pour vous, ça passe par quoi? Pour moi, premièrement, ça passe par l'éveil de conscience de la population, de la jeunesse. Parce que le pouvoir appartient à la population. Et si cette population prenne conscience qu'aujourd'hui, nous disposons des moyens nécessaires et qu'aujourd'hui,
pour qu'un président ou une autorité soit droit, c'est d'abord la population qui va le mettre sur le droit chemin. Même si le diable venait à prendre le pouvoir, qu'il puisse avoir les yeux nécessaires de ce que la population a comme bénéfice ou retomber sur elle. Parce que le plus souvent, c'est par manque de connaissances, c'est par manque de sensibilisation ou de méconnaissance des réalités que certains leaders ou présidents arrivent à exploiter leur peuple au profit de l'impérialisme. Mais si aujourd'hui, cette population a pris conscience de son importance face à ces différentes autorités ou présidents, elle mènera à bien son développement parce que tout simplement, le programme mis en place sera bénéfique à cette population et c'est à l'autorité ou au président de recevoir vraiment les directives du peuple et toute action menée sera en faveur de cette population. Donc l'éveil de conscience de la masse populaire permettra vraiment de dicter nos leaders et nos leaders ou nos dirigeants dans le droit chemin. On a parlé récemment donc du retrait des trois pays de l'AES, de la CEDEAO. Je parlais des conséquences. Qu'on revienne justement sur cet aspect, on sait que certains Burkinabés vivant dans d'autres pays rencontrent des difficultés aujourd'hui. C'est l'actualité aussi, on ne peut pas voiler cela, que ce soit avec leurs entreprises ou même déjà pour le bien-être de la vie sociale. Ça commence à être dur pour certains Burkinabés. Et quand on dit aussi que pour certains produits alimentaires, c'est interdit donc de les faire entrer au Burkina. Est-ce que au niveau aussi justement de la population, on risque, quand on rencontre des difficultés comme ça, on risque pas aussi d'en vouloir au président parce que la décision est prise à un haut niveau, mais après si ça impacte. Même s'il dit qu'il faut lutter, on peut, que l'indépendance ne peut pas être donnée comme ça par Dieu, il faut lutter pour y arriver. Mais après, quand il y a beaucoup de conséquences, ça peut décourager. Déjà, il faut dire que la décision n'a pas été prise comme ça. Parce que vous voyez, lors des, souvent des manifestations, vous avez des pancartes « Abat la CEDEAO »,« Quittons la CEDEAO ». Et c'est parti aussi d'un constat et d'une analyse. Les conséquences, certes, il y avait les conséquences bien avant qu'on quitte la CEDEAO, même si elles ne sont pas comparables à là où on va sortir. Vous prenez comme exemple les taxes qui ont été mises lors au niveau des corridors, des voies d'accès dans les différents pays. La CEDEAO estime que le rôle de la CEDEAO, c'est de favoriser l'intégration économique entre ces pays. Et est-ce que ces taxes favorisent l'intégration économique? Non. Est-ce que quand nous étions la CEDEAO, nos compatriotes ou nos Burkinabés vivant certains dans les pays ne payaient pas ce qu'on appelait la carte de séjour, certes. Mais aujourd'hui, ces conséquences sur les pays et sur les entreprises, certes. Mais je dirais une chose, il faut à un moment donné qu'on soit fort et qu'on se prépare. Parce que peut-être ce qu'on gagne en étant là-bas est minime. Et il a même rappelé que nos échanges dans l'espace CEDEAO n'étaient pas 5%. Donc le reste, c'est hors CEDEAO. C'est pour dire que l'impact, certes, il y en a, mais est-ce qu'elle est vraiment criarde de telle sorte qu'on reste là-bas sans pour autant éclore? Non, je pense qu'à un moment donné, les conséquences, il y aura, mais l'éveil de conscience et la compréhension et la dynamique prise par nos leaders feront comprendre à cette jeunesse, à cette population, que c'est en accompagnant dans les difficultés qu'on pourra réserver un lendemain meilleur pour notre population, pour notre pays. Et le président, bien sûr, a parlé d'industrialisation. Il a dit qu'il ne va pas citer les projets ici, les projets industriels, bien sûr, mais il y a tout un serment, justement, donc, de projets. Et bien sûr, pour 2024, il dit qu'il y a assez de projets industriels qui vont voir le jour. Il a annoncé également l'arrivée de matériel militaire pour la lutte contre le terrorisme, donc, pour faire former, justement, une puissante armée militaire burkinabé. Ça veut dire que ça promet pour 2024, on va se retrouver avec une année où on se retrouvera un peu mieux. Je dirais très mieux même. Parce que quand on parle d'une armée puissante, vous voyez que depuis l'octroi de l'indépendance, nos colons nous ont fait comprendre que pour se développer, il faut s'appuyer sur certains axes, hormis l'armée. Pourtant, quand vous voyez la majeure partie des pays qu'on appelle aujourd'hui les pays développés, ils ont une armée puissante. Donc c'est là tout le paradoxe. Et aujourd'hui, nous avons pris l'ultime option de vraiment avoir une armée puissante qui puisse protéger nos populations
non seulement en la réorganisant, et également en l'équipant de matériel de dernière génération qui puisse les permettre de vaquer à leur mission régalienne de sécurisation des biens et du territoire du Burkina Faso. Sur les projets industriels, je pense que ça a déjà commencé. On note l'ouverture de l'usine de raffinerie, de transformation des tomates, des déchets. Donc, ça nous ramène vraiment à dire que le développement, en fait, c'est juste la volonté. Tant qu'il y a la volonté, et l'acte, je ne l'acte à la parole, vous voyez que c'est du concret. On n'a pas besoin de vraiment tergiverser ou vraiment de mettre des multitudes de textes en pagaille juste pour arriver à l'objectif principal ou à l'objectif qui a été défini. Donc, on ne fait que vraiment souhaiter bon vent au président et demander au bon Dieu, au nom des ancêtres, de le protéger dans sa mission parce que la dynamique prise, on doute point d'un lendemain meilleur pour le Burkina Faso. Aujourd'hui, vous avez fini la rencontre avec le président. Pour vous, c'était historique d'ailleurs. Et quand vous sortez de cette rencontre, avec quel sentiment? Un sentiment de satisfaction et de travail accompli et de reste à venir. Satisfaction. Et qui reste à venir. Et satisfaction pourquoi? Parce que quand on a mis en place cette veille citoyenne, en fait, certains ne croyaient pas, ou à la limite, on nous traitait de chômeurs, de sans-emploi. Donc bref, que le premier responsable reconnaît la valeur de cette initiative, ça te met vraiment un boom au cœur. Ça veut dire que ce que tu as entrepris depuis là, tu n'es pas perdu, mais tu es sur le droit chemin. Et c'est une première fois que pour le Burkina et dans le monde, si je peux le dire, que cette initiative vient de la population qui vraiment est en phase de suivre la trajectoire de la transition. Merci beaucoup. Donc, c'est fini cette rencontre avec le président. Vous avez dit sentiment de satisfaction, mais aussi invite à continuer. Ça sera quoi justement pour la suite, pour vous, les Wayi, hein? C'est comme ça même que le président effectivement vous a nommé. La suite, c'est inviter les gens et sensibiliser à nous approcher. On va les faire comprendre ce pourquoi on est là, pourquoi on le fait et à quelle fin. Parce que c'est ensemble qu'on peut aller plus loin. Mais seul, c'est un peu compliqué. Et de faire comprendre certaines personnes que aujourd'hui, l'idéal, c'est le Burkina Faso. Si on le perd, on a perdu notre idéal. Mais on ne le perdra pas. Parce que nous sommes des Burkinabés et on a vécu plus pire que ça. Si cette crise a été imposée à notre génération, c'est qu'on est capable de relever le défi. Donc, je dirais que là où nous sommes prêts à combattre pour notre pays. Nous sommes prêts à accompagner notre premier leader, qui est le capitaine Ibrahim Traoré, à arriver à l'objectif ultime, celui d'amener le Burkina Faso sur le chemin de la liberté et de l'indépendance totale. Comme le dit notre hymne, la patrie ou la mort, nous vaincrons, Inch'Allah. Et on sait qu'aujourd'hui, vous tendez vers la création d'une coordination aussi. Parce qu'il y a des associations, des collectifs, des mouvements comme ça, de veille citoyenne. Mais aujourd'hui, vous tendez vers une création de coordination. Et c'est d'ailleurs un bureau provisoire qui a d'ailleurs organisé cette rencontre avec le président. Effectivement, comme la veille citoyenne, c'est une initiative, ça n'a pas pour vocation d'une association ou quoi. Non, c'est une initiative de la population et n'importe quelle population d'un quartier ou d'un arrondissement peut s'élever pour mettre en place cette veille. Donc cette coordination va regrouper en fait ces différentes personnes-là qui vont se retrouver dedans et qui, à un moment donné, mettront en place une structure pour vraiment être en phase avec les textes. Comme le disait, que si tu n'es pas vraiment dans la lignée ou dans la dynamique en phase avec les textes, il est souvent un peu difficile d'arriver à faire certaines activités que certains qualifieraient de troubles publics. Donc, c'est nous mettre en phase avec les textes pour mieux vraiment nous situer afin de braguer nos activités. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions M. Mahamadi Zoungrana. Il est le président du collectif des leaders panafricains. Et si vous voulez, sachez que c'est justement le groupe de Mahamadi Zoungrana qu'on retrouve en tant que veilleur citoyen au niveau du rond-point des Nations Unies, qu'eux-mêmes ont baptisé rond-point Ibrahim Traoré. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient pour la suite.
Et bien sûr, nous revenons sur la rubrique à la découverte de avant de nous quitter. On rappelle que nous sommes installés au niveau de la rue Wemba Poko. Alors cette semaine, justement, nous découvrons cette rue Wemba Poko, qui est une rue située dans le quartier Wemtenga du Wakatuku. Alors, disons un mot déjà sur Wemba Poko. Elle est la Benjamin des enfants du Mogonaba Oubri, qui est le fondateur, bien sûr, du royaume de Ouagadougou. La rue Wemba Poko est longue d'environ 1,5 km. Cette rue est située dans le quartier Wemtenga à Ouagadougou et a été inaugurée le 30 juin 2018. C'est désormais une voie bitumée, comme vous remarquez à travers ces images. C'est une rue qui rend hommage à la femme, puisque c'est une rue qui porte le nom d'une princesse de la cour royale du Mogonaba. Il s'agit de Wemba Poko. L'histoire nous apprend que Wemba Poko a été la Benjamin des enfants du Mogonaba Oubri, le troisième empereur des Mossi, qui est le fondateur du royaume de Ouagadougou. Wemba Poko a été intronisé ministre en charge de la médiation dans le Mogo et était chargé de réconcilier et de concilier les habitants du Mogo à un moment donné de l'histoire du règne de son père. Mais pourquoi a-t-elle été nommée ministre? Notons qu'au vieux jour du Mogonaba Oubri, père de Wemba Poko, il a senti une tension et des discordes au sein de son royaume, avec ces conflits qui existaient entre individus et même entre communautés. Il fallait alors trouver une solution. Dans le souci de léguer un royaume de paix à son successeur, le Mogonaba Oubri et ses sages ont décidé de trouver une personne qui va s'occuper de la médiation au sein de la cour royale. Après réflexion, le comité a décidé que c'est le dernier enfant du chef, donc la Benjamin ou le Benjamin, qui sera désigné comme médiateur. Malgré le fait que la Benjamin, qui est Poko, donc était marié, le roi et ses notables ont décidé de la nommer quand même ministre en charge de la réconciliation. Une formule a été trouvée pour garder intacts les liens entre les familles alliées, parce que justement Poko était marié. Poko a rejoint donc la cour royale de son père et Wemba a été ajouté à son nom, donc ça donne Wemba Poko. Le rôle de Wemba Poko était de faire régner l'entente dans le royaume Mossi et de réconcilier ceux qui se disputaient. La légende raconte d'ailleurs que quand elle demandait pardon à une personne, la personne ne devait pas refuser de pardonner. Et si une personne refusait son pardon, cela était considéré comme un sacrilège et le Mogonaba pouvait sanctionner la personne. Wemba Poko a régné ainsi dans le royaume de son père et après elle, du moins, son poste revenait toujours au Benjamin ou à la Benjamin de Mogonaba. De nos jours, son trône est occupé par le Wemba Ligdi qui règne dans son palais dans le quartier Wemtenga. Wemba Poko a marqué le royaume de Ouagadougou par son règne. C'est au regard de sa combativité que son nom Wemba Poko a été donné à cette rue du quartier Wemtenga de Ouagadougou. Le Wemba Ligdi, qui est maintenant un homme, qui est un des descendants, est l'actuel médiateur du Mogonaba et puis bien sûr le chef de Wemtenga. Cette semaine, nous vous faisons découvrir la princesse Wemba Poko et la rue Wemba Poko à travers, bien sûr, la rubrique à la découverte 2. C'est l'occasion pour nous aussi de dire merci au Wemba Ligdi qui a bien voulu nous permettre donc de filmer cette rue et qui nous a permis aussi de filmer un peu la cour royale, comme vous pouvez le voir. Et puis à partir de demain, c'est l'association Wemdogo de Wemtenga qui va nous donner donc des témoignages. Merci et honneur à vous, Wemba Ligdi, et puis merci aussi à toute la population de Wemtenga. On s'arrête ici pour À la découverte 2, mais on s'arrête ici aussi pour Bonjour le Faso d'aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité. Le rendez-vous est pris pour demain, mardi, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, prenez soin de vous. On vous souhaite une excellente semaine. Ne zappez surtout pas, restez fidèles au programme de Savan TV. Allez.